à traverser des organes. Il meurt en fait des complications liées à sa blessure par balle. Il se tire dans la poitrine et la balle vient taper une côte et ensuite descend dans les organes et se loge dans l'aine. C'est une arme qu'on trouve très fréquemment dans cette période, à cette époque-là. C'est l'arme que tout le monde peut se procurer très aisément dans les commerces. Voilà. Mais c'est plutôt une arme de défense. Là-haut, c'est le 27 juin.